Au nombre de 72, pour cette première vague, ces nouveaux fonctionnaires ont été officiellement recrutés ce mercredi au ministère gabonais des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer. Le secrétaire général du dit ministère, qui a échangé avec ces nouveaux impétrants de la fonction publique, a tenu à leur remettre en main propre leurs bons de caisse et attestations de recrutement. Il a fallu qu'on leur donne un certain nombre de conseils et d'orientations pour qu'ils sachent déjà le cadre institutionnel qui va encadrer leur travail, mais également les dispositions morale et éthique. Sur la base de la politique du numéro 1 gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, ces nouveaux fonctionnaires ont été intégrés en un temps record de 4 mois. Occasion pour le secrétaire général du ministère des Transports d'attirer l'attention des nouvelles recrues sur ce qui est attendu d'eux après cette incorporation. Nous attendons d'eux le respect des dispositions déontologiques de l'administration. Nous attendons d'eux un comportement éthique. Nous entendons de s'arrimer à la vision du chef de l'État. Des attentes bien reçues par les bénéficiaires qui mesurent le privilège qui est le leur. Je remercie particulièrement le pragmatisme du ministre de Transport et pour la perche qu'il a tendue à la jeunesse gabonaise. Il faut être un agent public responsable, raisonnable, soucieux de l'administration et du devenir de la nation. Ce sont en gros les conseils avec les formations qui vont suivre qui feront de nous des agents un peu plus responsables. Les nouveaux fonctionnaires seront affectés dans les prochains jours dans l'une des directions que compte le ministère des Transports, soit la marine marchande, les transports terrestres, la météorologie, la sécurité routière ou encore la direction centrale du personnel. Le CTRI est à l'œuvre depuis le 30 août 2023 pour renverser la courbe de chômage fixée à 36,4% selon la Banque mondiale, avec plusieurs intégrations à la fonction publique en cours d'examen.